Bonjour à tous, c'est Maura. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne notre nouvelle lecture en ligne pour au cas où si vous y perdiez. Donc, je prends un exemple sur le magazine parce que c'est le même principe, ça sera le même principe du coup pour les sorties des chapitres, à part que ça sera dans l'autre sens pour la lecture, forcément. Alors, du coup, donc, quand on ouvre, donc si votre flash n'est pas activé, enfin, quand c'est la première fois du coup que vous ouvrez le magazine ou les chapitres ou le tome, vous allez avoir ce petit message. Donc en fait, pour lire nos lectures en ligne, il faut activer le flash. Donc il suffit de cliquer ici. Vous autorisez du coup à exécuter le flash sur notre site. Et voilà, le magazine apparaît. Donc dans le sens pour le magazine, c'est dans le sens du coup Europe. Hein, donc hop. On tourne les pages de ce sens-là. Alors vous pouvez soit appuyer sur les flèches là, soit sur les coins pour tourner les pages. Ou alors vous pouvez aussi également utiliser les flèches de votre clavier. Alors, je viens de remarquer que j'ai un petit souci sur mon magazine là, dis donc. Bon, je verrai ça plus tard. Alors du coup, ensuite, on a donc qui est en route pour qui marche sur les magazines et les tomes, pas les chapitres. Nous avons mis en place une table des matières ici. Donc pour vous retrouver, donc là c'est classé par titre des articles. Et du coup pour les tomes, ça sera par numéro de chapitre. Vous avez également du coup, vous pouvez mettre des marque-pages ici pour là où vous êtes rendu. Alors je n'ai pas testé sur le site en lecture en ligne en fait pour voir si ça reprend là où vous étiez vraiment pour le site en ligne. Pour ceux qui téléchargent, qui n'est pas encore disponible sur le site, mais bientôt la version .exe, du coup, qui marche en flash pareil, donc pour Windows, vous pourrez bien sûr du coup mettre les marque-pages pour les tomes si vous finissiez pas par exemple d'un coup. Et autrement, donc vous avez le zoom ici. Donc là, ça reste en double page pour l'instant. Donc ici, vous pouvez augmenter ou descendre pour le zoom. Vous pouvez également changer la façon de lire le magazine. Donc, il suffit de cliquer ici. Donc là, c'est la version actuelle, la flipbook. Vous pouvez mettre en slide. Donc là, c'est comme n'importe. Donc tout simplement, ça passe la page. Et vous pouvez mettre en simple page aussi. Et vous pouvez également lire si vous voulez zoomer qu'une page. Donc du coup, vous avez ici simple mode page. Où là, ça zoome la page. Alors là, attention. Parce que du coup, la page, donc, elle prend toute la résolution donc, de votre écran. Vous pouvez zoomer ou dézoomer ici. Et si vous utilisez la roulette de votre souris, ça passe à la page suivante. Pour descendre sur la page, il suffit de cliquer gauche vous restez appuyé gauche du coup sur la page, donc il y a une petite main qui apparaît et il suffit de glisser avec le clic gauche en fait. Et vous pouvez descendre les pages. Vous pouvez également mettre en plein écran, voilà ici. Donc, il suffit pour le revenir, donc on voit plus là où tout s'échappe. Vous pouvez passer les pages également ici ou revenir à la première ici ou la dernière directement. Vous avez la petite maison ici. Alors là, ça vous ramène sur le site directement en fait. Donc, si on clique dessus, ça vous ramène du coup directement sur le site. Vous pouvez également aussi ici naviguer directement sur les pages. Donc, vous pouvez passer et vous voyez. Vous pouvez activer ou désactiver le son ici. Là, c'est pour que ça soit auto. Je ne vous conseille pas, sinon vous n'aurez pas le temps de lire, à mon avis, surtout pour le magazine. Donc, et vous pouvez remettre si vous souhaitez au magazine ici en mettant un flipbook. Je pense que j'ai rien oublié pour la lecture en ligne, normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander sur notre page Facebook. Vu qu'on n'a toujours pas mis en place pour l'instant les commentaires sur le site. Donc, vous allez sur notre page Facebook et puis si vous avez rencontré un souci ou autre, il suffit de nous le préciser. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que notre lecture en ligne vous plaira. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, du coup, sur notre page Facebook ou sur Discord également aussi.
Bonne lecture!